Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui avec mon gars Samu. On est là tout doux. Ça dit quoi mon gars? On est là tranquille et toi mon gars? Ouais bien, vas-y déjà je te laisse te présenter aussi. Ouais tu connais moi Samuscu, rappeur du 19ème, place des fêtes. J'ai sorti French Grill 1 jusqu'au 4. Le 5 là il arrive bientôt là avec un petit EP. Et voilà les autres, les gens qui me connaissent, ils me connaissent et qui ne me connaissent pas. Vous allez connaître bientôt, Inch'Allah. Strike comme au bowling, toi t'es qu'un boulet. Caleçon et boulette, j'annonce la couleur. J'suis dans la ville, j'suis à police voleur. On veut pas goalie, on a la doulée. Là on est là, dans le 19ème, tu connais. Précisément place des fêtes. Place des fêtes c'est en haut, mais tu connais. On traîne dans plusieurs endroits dans le quartier. Il y a le 2-4, rue des Bois, la Nice. Tu connais, là on est à la Nice. Et après on va passer à place vite fait, histoire de snapper, etc. Mais c'est carré, hein. Il y a une autre chope de police qui est là, là. Elle est partout ici en ce moment. Ouais, voilà, c'est miné c'est... ici, non? Voilà, en ce moment, c'est question, en ce moment, c'est chaud, c'est chaud. Faisez! Venez! J'imagine pendant les clips, ça doit. Ouais, ils cassent les couilles, voilà. Des fois, ils viennent. Ils sont coulis, ils sont où Samuscu? Voilà, voilà, ils me connaissent par cœur, mais wesh. Ah ouais. Bon, vas-y, mon gars. Déjà, toi, t'as commencé quand? T'as commencé comment le son? Moi, j'ai commencé le rap il y a 4 ans, t'as capté? Il y a 4 ans, avec mon gars Zepé qui est Béné. On avait fait un groupe qui s'appelait Sepp La Gang. On a sorti 2 sons. Ça avait bien marché, tu connais. C'était le petit buzz d'à l'ancienne. On avait fait 5 en 4, on était contents de con. Après, tu connais, on a arrêté. Moi je me suis mis en solo parce que je sais pas pourquoi, voilà, ça s'est fait tout seul, je me suis mis en solo. J'avais sorti des sons pay cash, j'avais sorti beaucoup de sons pay cash. Après j'ai sorti 2 autres sons sur Demolition, ils sont encore disponibles, c'est pas fini et midi mini, t'as capté ou pas? J'ai sorti c'est pas fini, midi mini. Ensuite je me suis dit vas-y je vais arrêter de balancer sur Demolition, t'as capté, ça veut dire je fais ma propre page. Et tu connais avec le mouvement drill, tout ça, pendant le ramadan, j'ai écrit un texte sur une instru drill. Et je me suis dit, je vais l'appeler French Grill, t'as capté, parce qu'en ce moment, ça tournait beaucoup la drill, etc. Et mon gars, m'a manié. T'as capté? Après, tu connais, hein? On a balancé ça en juin de l'année dernière. T'as capté, on a balancé ça en juin de l'année dernière. Voilà, j'ai vu, je faisais des scores que je faisais pas d'habitude. Tous les jours, je prenais 10K. Je disais, wesh, là, il y a un truc, t'as capté ou pas? Alors que d'habitude, je faisais 50K en 8 mois, 9 mois. Après, tu connais, hein? On a fait 100K en 2 mois. Après, j'ai sorti le 2. J'ai vu le 2, j'ai sorti 100 teasers. J'ai vu en 1 jour 24. J'ai dit, oh wesh, il se passe quoi? T'as capté ou pas? C'est-à-dire, le 2, tu connais, il a bien pris le 2 aussi. Après, Okanoé, il a kiffé le 2 de ouf. Et tu connais, moi, il m'avait ajouté par rapport à un freestyle à moi. Il s'appelle Pétard. Je sais pas si tu te rappelles. Il m'a ajouté par rapport à un freestyle à moi. Tout ça, il a kiffé le 2. Il m'a dit, voilà, lourd le 2, tout ça. Si t'es chaud, en mode. On fait un son ensemble, t'as capté. C'est-à-dire que moi, je suis parti au studio, j'ai fait French Grill 3. Et à la base, il devait pas être dessus. J'ai fait le son, tout ça. Je lui ai envoyé des snaps, etc. en direct. Il m'a dit, wow, dinguerie, je sais pas quoi. Prends c'est en studio, même tout de suite là, 2h, je viens, tout ça. Vas-y, c'était pas possible, au studio du 50, c'est-à-dire, je lui ai dit, tu connais, le lendemain, on est parti, on a fait le son, hein, tu connais, il a kiffé, on a fait le son. Après, j'ai enchaîné avec le French Grill 4. Il a moins pris que les autres, t'as capté. Je pense que les gens, ils étaient encore à la tête avec French Grill 3, t'as capté. Mais sinon, le 4, il monte encore, là, il y aura 100K bientôt, Inch'Allah. Même si ça a pris du temps, t'as capté, en 4 mois, mais c'est pas grave. Et là, il y a le 5, là, avec un gros feat, là. Ça arrive avec un bon driller, je pense que tout le monde connaît, voilà, c'est Kai. Bon, du coup, Samu, on va faire un petit tour dans la ouais, zone. Ouais, tu connais, on est là. Hein. T'as clippé un peu là dans le coin ou quoi? Ouais, c'est compliqué là-bas. Partout, voilà, mais vas-y, tu connais les stars, ils cachent le clip un peu. Non, tu connais aussi, ouais, je suis obligé de clipper ici, chaque clip, je suis obligé de faire une scène ici, t'as capté. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, même le 3, je l'ai fait là, même le 4, je l'ai fait ici. T'as capté, en vrai, tous les clips que je fais, c'est plus ici. Hein. Après, il y a place aussi. Place, c'est juste pour filmer les tours un petit peu. Sinon, c'est les plus grands qui traînent à place en ce moment. Nous, on est tous. T'as clippé dans cet escalier là? Dans cet escalier, French Grill 2. Bah là, je suis ici que j'ai clippé le 3, le 1. C'est un grand quartier ici, ce que. Ouais, ici, c'est grand de ouf, hein, voilà. Ici, c'est grand de ouf. Et on traîne pas tous au même endroit, t'as capté? Nous, je connais, on est plus à la Nice. Après, il y a les grands, ils sont plus à place, au 2-4. Les anciens à Rue des Bois, les anciens devant chez Mermoud, là, le tabac juste à côté, là, ici. T'as capté?
Il y a qui d'autre comme rappeur un peu dans la zone? Dans la zone? Ouais, il y a trop de rappeurs ici. Hein. Il y a la MDC, voilà, force à eux, voilà, je suis toujours avec eux, c'est mes sangs. De toute façon, je le dis dans mon prochain son, MDC, la TH, les frères, c'est un poste. Voilà, c'est un poste, il y a Malcolm, il y a Kouli, Obias. Il y a qui? Il y a Kouli, Obias, il y a 35, il y a, ouais, il y a Patara, il y a Lidia Nati. Il y a Ratchet, il y a Pelijo, Ratchet, hein, libéré Ratchet. Tu connais, il arrivait fort, voilà, les tchats, ils l'ont saisi. Mais il va sortir et envoyer du sale, voilà. Justement, Malcolm, t'as fait deux feats avec lui, toi? Ouais, Malcolm, c'est le sang. On a fait Chouchou 1. Ça, c'était juste avant que j'envoie la série Drill. Même ça, il a fait 100K en un an. C'était bien, c'était la première fois pour moi. Après, on a fait le 2 là récemment. Le 2 là, il y a 80K. Mais ça va, ils m'ont tout doux. Non, mais tu connais. J'essaye de garder cet aspect. Pas faire que de la drill, t'as capté? Ouais. Quand je sors du contexte drill, c'est que je vais faire soit un chouchou avec Malcolm, soit un feat, t'as capté ou pas? Ouais, justement. Je suis resté dedans. Chouchou. Moi, en vrai, je suis pas un driller. Ah, bah ouais, ouais. Chouchou, c'est quel délire en fait, pour ceux qui connaissent pas déjà? Chouchou, je sais pas comment t'expliquer, voilà. C'est un délire fou, voilà. C'est un délire fou, petit. Ouais, tu connais, dans Chouchou, on invite tout le monde. Ouais. T'as capté, ouais, même ouais. Ceux qui sont pas du quartier. Il y a un clip chouchou avec Malcolm, venez tous. T'as capté? Ouais, je vois, je vois. Mais pas alors que dans les friendships, tu vois, on est que entre nous que les mecs de place, t'as capté ou quoi? En plus, nous, on est un quartier du 19, on aime. On n'a jamais aimé trop se mélanger, t'as capté, on est toujours resté tout seul. C'est ici, place des fêtes. C'est ici que tout le monde connaît un petit peu l'endroit. Ouais, c'est ici que tout le monde connaît. T'as capté, les gens ils connaissent pas trop la Nice. Quand tu dis place des fêtes, les gens ouais, ils parlent les de gens, là. Ils pensent à ça. Ouais. Place des fêtes, t'as capté comment c'est s'encercler, etc. Il y a plein de gens sur la place. T'as capté, ça c'est plus en été. On est vraiment tous là-bas, t'as capté? Ouais, ouais. En été, on est vraiment tous là-bas. Je peux dire en été, on est au moins 100. Tu connais quand c'est pas l'été, etc. On est tous, chacun est un petit peu dans son coin, chacun fait ce qu'il a à faire. À place, tu peux croiser tout type de génération, t'as capté? C'est ça le truc. Tu veux voir des 2005, tu veux voir les anciens, là par exemple, là, les anciens au tabac, tous les jeux sont posés là, tout ça. Mais ça veut pas dire le forain de leur vie, hein. Non, je connais les gens sur les réseaux. Du coup, toi, t'as clippé un petit peu ici, mon ref. Ouais, ben oui, j'ai clippé ici, mais plus les clips à l'ancienne, t'as capté? Ah ouais. Tous les French Reels, j'ai pas eu encore. J'ai pas encore l'occasion de. Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai pas eu encore l'occasion de clipper. À la place même, t'as capté? Ouais, ouais, ouais. Ça va se faire, ça, je sais, chez tous les jours ici. Ça va se faire. Quand ce sera un gros truc, un gros mouvement, un vrai clip où il y aura du monde, d'où je vais appeler tout le monde, bah, on va faire ça à place, hein, parce qu'à la Nice, t'as capté, c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas un endroit pour qu'il y ait du monde de ouf. Alors qu'à place, wesh, il y a l'espace, il y a tout le monde, il y a le soleil, il y a rien qui court. Pour tous les gens qui te mettent dans la catégorie driller, ouais. Toi, tu le vois comment quand les gens ils disent ça, tu vois? Bah, je vois ça pour un bien comme pour un mal, t'as capté, parce que c'est bien s'ils me mettent dans une classe driller, ça veut dire que je suis pas un... ça veut dire que je fais pas ça mal. Mais moi aussi d'un côté je me dis que faut pas qu'ils me cassent dans cette case, parce que moi j'ai tout fait avant de faire de la drill, je faisais pas de la drill, t'as capté. J'ai fait un son drill en 2017, mais moi je vais pas te mentir, je savais même pas c'était de la drill, t'as capté. C'est pas fini, il est sur YouTube. Et la noire est cachée dans le tiroir. Aucun souci, bébé, va pas paniquer. Et c'est pas fini, détasser des sous, j'en veux dans mon lit. Il y a un petit EP là, tu m'as dit, non? Ouais, il y a un petit EP qui sort là après le ramadan. Inch'Allah, je sais pas encore la date. Mais il sort là bientôt. Vous pouvez voir des gros films dessus. Il y a des choses qui se préparent. Je peux annoncer que Mister You. Elle sera dessus, ouais. Ouais, elle sera dessus. On a fait un autre son avec Mister You, Canoë, Microbe. T'as capté un son à 4. Je sais pas ce qu'il va faire du son, je sais pas c'était pourquoi, t'as capté. En même temps, on avait fait un son à 4 et là, il sera sur l'EP, Inch'Allah. Après, il y a mon gars Canoë. Tu connais, c'est lui qui m'a ramené dans le premier Planet Rap, tout ça. Je me dois de le mettre sur mon premier EP. Après, il y a la Kadria. La Kadria aussi, à pas oublier. Je les connais depuis longtemps, hein, voilà. Ils sont pas d'ici, eux, en plus. Non, hein. Ils sont de Rony. Oh, c'est les seuls qui sont pas d'ici, je crois. Oui, c'est des drillers aussi. Ils ont commencé à agir en même temps que moi, presque. Ça commence à bien prendre aussi. Faites attention à eux, ils sont réels. Voilà. J'ai clippé avec eux en 2017 avec Kyo Productions. Ah, ouais. On a fait un son avec Kyo Productions, etc. On a clippé sur 3 jours sa mère. Putain. Et au final, le clip, il est jamais sorti. Vas-y, il s'embrouille. Il s'est foutu de notre gueule pendant 2 mois, il disait qu'il était sur mon montage, t'as capté. Nous,
on a commencé à faire patience. Et t'as déjà payé? On avait payé et tout. Wesh. J'avais j'avais le temps de partir à Marrakech, je suis revenu. mon pote il était dehors, il est revenu fond et on n'avait toujours pas le clip. C'est-à-dire tu connais les managers de la Cadillac, ils ont pété un cap. Il a commencé à dire vas-y, je veux tout bosser avec vous, tout ça. Du coup on n'en a pas sucé, hein. Il fait ta vie ma gueule. Ouais. Mais il a fait un truc chelou, mais après c'est pas grave, tu connais. C'est pas tu remises là là. Je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que là on a évolué carrément, on a fait un son là carrément il y a deux semaines, moi et la Cadria. Il est largement mieux que celui de 2017, t'as capté ou pas? Ouais forcément. En vrai. En plus là en ce moment ils sont dans une grille sérieuse moi aussi. Je pense que si ça le clip, ça va prendre un, ça va prendre. Et ça peut que prendre. Parce qu'on fait pas de la mauvaise musique. The Big Up à The. Il est très très fort, voilà. Il mérite beaucoup, beaucoup plus de visibilité. Et je parle avec lui, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. T'as capté? On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. Bientôt mon savoir. Tu connais ici, c'est le 2-4, les gens ils ont grandi ici. Il y a plein de gens qui vivent à l'intérieur, t'as capté. Et bon, avant c'était bizarre ici. Hein. Tu voulais pas rentrer ici comme ça avant. Là, les gens ils te diront ici, c'est pas un mythe, hein, voilà. Il y a une question aussi, je me posais, gros, t'as parlé du coup de Mister You. Ouais. La connexion, elle s'est fait comment avec lui en fait? Bah, en fait, la connexion, elle s'est fait par rapport à French Real 3 tout d'abord. T'as capté, il avait, j'ai vu qu'il sur Insta, il avait partagé French Real 3. Il m'avait pas mentionné. Alors, il avait mis avec le. Il avait vu la publication sur le compte à Canoë. Il l'a mis dans sa story, t'as capté. Ça m'a fait plaisir, tout ça. Ensuite, il a parlé de moi, un grand de mon quartier, t'as capté, un ancien de chez moi. Il lui a dit que ouais, qu'il me connaissait depuis petit, etc., etc. Il lui a donné mon WhatsApp. Ensuite, on a parlé. Il m'a dit que j'étais chaud, tout ça. Ça m'a fait plaisir de fou, tout ça. Il m'a dit, mon grand, il lui a demandé si ce serait possible de faire un son, si t'aimes bien. Pas forcé, ma gueule, t'as capté ou pas? Et après, vas-y, il a kiffé de ouf. Il m'a dit, vas-y, donne-moi son WhatsApp. Un jour, je vais l'appeler, tout ça. Et on va aller au studio, on va se faire des sons, etc. Voilà, un jour, je vois, il m'appelle comme as. J'entends sa voix, je me dis, oh, t'as capté? Parce que wesh, moi, Mister U, j'écoutais des plus petits, ma gueule. Ouais, c'est. MDR volume 2, etc. T'as capté, wesh, Belleville, c'est juste à côté. Tout le monde écoutait Mister U, tout le monde connaît Mister U sur Paris, frère. Alors, tout le monde écoutait du Mister U parce que c'est la rue. Ça veut dire, moi, ça m'a fait plaisir, etc. J'allais dans son studio à Gonesse, dans le 9-5. Il y avait Canoë, Microbe, Uzi. Ouais, t'as vu du monde, hein? Ouais, il y avait du monde, ça va, c'était bien, c'était cool. On a passé une bonne soirée, t'as capté, ça a écrit fort, hein, et voilà. Et quoi, du coup, Canoë t'a invité à Planet Rap aussi. C'était... Ouais, Canoë m'a invité à Planet Rap. C'était même pas prévu, hein, t'as capté. Ah ouais? Tu connais, moi, je fais pas des feats pour faire des feats. T'as capté, je fais pas des feats comme ça pour faire des feats parce qu'il y a beaucoup de gens qui me commencent à me demander des feats, tout ça. Je suis même pas la star ou quoi, hein. Mais je trouve que ça va rien nous apporter déjà de 1. Et de 2, on n'a pas cette entente. Ça veut dire faire un son pour faire un son, moi. Je m'en bats les couilles, même si t'as du buzz. Parce que les gens, ils voient que le buzz. Ah, lui, il a du buzz, faut je lui envoie un DM, faut on fait un son ensemble. Alors que si l'alchimie elle est pas bonne, le son ouais. Sera pas bon, t'as capté ou quoi? Canoë, moi, voilà, c'est. J'ai vu qu'il aimait vraiment bien ma musique. Je l'ai invité, et t'as vu French Real 3, hein, il y a 600K. Il a envoyé du sale, alors pourtant, il fait pas de la drill. C'était une bonne entente, etc. Carrément, Planet Rap, c'était même pas prévu. Je suis allé le capter la veille de son Planet Rap. On était dans la voiture, tout ça, on était ensemble, t'as regardé, on a passé la nuit ensemble. Le moment, son manager il m'a dit, la veille, son manager m'a dit, envoie-moi tes sons, demain viens, je sais pas quoi, etc. T'as capté, c'est-à-dire je lui ai envoyé ses sons. Le lendemain, je suis allé, ouais, ça s'est pas passé, on a fait French Real 4 en exclu. Et ouais, voilà, ça s'est bien passé. Là, nos stades verts, hein, tu connais, c'est le ramadan. Tous les jours à 18h30, 19h, on joue ici au foot jusqu'à la coupure, t'as capté. Ça nous fait passer le temps et c'est bien, on se retrouve, ça fait shoot un peu. C'est-à-dire, mais avant c'était vert, mais ils ont refait, t'as capté, tu sais, c'est orange maintenant. Ah ouais. Non, c'est vert parce que c'était vert. Voilà. T'as un rappeur à nous présenter là, hein? Ouais, mais il va se présenter tout seul. C'est une grande personne. Non, mais tu connais, quartier. Tu connais, on est là. Et non, Malcolm, mais tu connais, Malcolm MDC. Samu, tu connais, il rappe depuis. On a commencé en même temps. Je crois, 4-5 ans. Moi, 2017, moi. Toi, avant moi, je crois. Après, moi, je connais, moi, j'étais des pauses. Lui, c'était plus déterre. Déjà, à un moment, il était solo. Après, tu connais, on est arrivé pour donner la support. On a balancé des choses qui ont pris. Des chouchous. Ah, des chouchous. C'est ça qui nous a. En tout cas, moi, qui m'a découvert au grand public, vraiment, t'as capté. C'est un grand mot, grand public. Ouais, mais en gros, pour le peu qu'on a. En gros, tu connais, c'est son, moi, c'est mes sons. Et moi, je suis pas un gars qui vite.
c'est jamais tu. Même avec les gens du quartier, c'est pas que truc. Tu vois, moi j'aime bien rester dans mon univers. En gros, je développe mon univers comme ça. Après, les gens ils s'accrochent directement. Mais vas-y, Samu, je vois, il envoie. Mais les gens ils sont en mode, ils veulent pas. T'as capté, ils veulent pas Samu, hein, ça parle, ouais, Samu. Non. Samu, allez, vous inquiétez pas, moi, Samu, hein, faut le dire. Hein. Lui-même, il sait, depuis le début qu'il rappe, il dit, les gars, Samu, il est chaud. Ouais, voilà, c'est vrai. Il dit, Samu, il est chaud. Les gens sont en mode, ah, mais tu connais, parce qu'en gros, moi j'étais là, déjà moi je prenais toute la place aussi. Déjà, j'étais en mode, non, mais les gars, négligez pas les gens, pas parce qu'il n'y a pas de vue, quoi. Écoute le son. Les gens, ils écoutent le son, ils valident, mais des fois, ils aiment pas. Tu connais 2021, parce que t'as des vues, les gens, ils aiment plus, t'as capté. C'est-à-dire, nous, on déboule. On envoie chouchou 1 ma gueule. On a fait taire des gens. Là chouchou 1 c'était réel. Gros buzz hein, c'est monté direct même au quartier d'à côté. On allait, je sortais, ouais chouchou. Ah mais ça partait d'une connerie en gros, prod. Une prod, voilà, c'était. Non, on partait à son clip baggy. On partait et sur la route, il a mis une instru. Non, c'est pas ça. C'est en gros, je t'ai dit ouais vas-y on fait sur cet instru là. R, tu m'as dit ouais vas-y en gros. R, je t'envoie un truc. R, j'ai envoyé. Ouais, chouchou. Ouais, c'est chouchou. Dans la voiture, avec Zébé. Mais c'est ce qu'on a confirmé. Mais il y avait déjà clipé. C'est-à-dire, au début, on a fait ça. On a clipé ça. Mais vas-y, il y a des trucs qui ont fait que, vas-y, il n'y a pas eu ce clip-là. Ouais, et carrément, on ne devait plus fêter, lui et moi, t'as capté. Parce que si tu n'aurais pas fêté là. Parce que tu n'aurais pas fait pour une grille, mon gars, on sait pas. Parce que en gros, c'était la continuité. En gros, lui, il s'est senti. En gros, vas-y, je peux le faire, t'as capté ou pas, ça donne une force. Mais c'est pas que c'est que moi, c'est lui aussi la mission. Mais en gros, le fait qu'il y ait ça, même moi après j'ai fait des trucs. Chouchou, bam, ça prend combien? Il faut que tu filmes, lui c'est retardataire. Il fait pareil, il snap. La superstar, ça vous dit. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît sur snap, voilà. Mais ici là, tu vois comme ça, mais ici c'est une grosse zone. Hein. Ici il y a pas mal de choses qui ont été faites ici. Attends, avant ça me dit, il y a. Oh, il y a mes frères. Hein. Tu flouteras leur visage, hein, parce que c'est des ambulanciers corrompus. Ouais, tu vas flouter la plaque, etc. Mais ça va, ça va partout. Pour te dire, on est assez. C'est mes frères. Y'a pas que le crime, y'a pas que les coups de couteau, tu vois. Y'a que le Jard 19, hein. Sur Snap, les gens, ils les connaissent, ouais, le Jard 19. Là, faut donner une bonne image du quartier. Faut donner une bonne image du quartier. Y'a pas que le crime, y'en a, les gens, ils s'en servent. Ouais, là, c'est, hein. Ça bosse. Y'a des CDI, des CDD, tu vois, des missions locales. Ouais, avec le Jard 19. On essaye d'eux, tu vois. Elle nous la quiche là. Lui, c'est un ancien doux. La quiche là. Chouchou, ça a pété. Ça a rien de parler trop. Ça a pété, ça fait que. On a enchaîné, etc. Les gens ont commencé à respecter. Je te parlais d'ici pourquoi? Parce qu'ici c'est une putain de zone ici ma gueule. Ici j'ai fait plus de 80 freestyle ma gueule. Non, tu rigoles. 80 freestyle sur Insta. Parce partout, que nous, voilà. Nous on n'a pas de contact. Ça c'est la chose que tu dois savoir. Ici là, il y a zéro contact. Zéro contact. Ça rien de dire ouais, on a lui, on connaît lui, on connaît rien. Tout ce qu'on a fait, c'est parce que les gens ils ont appelé déjà, ils sont chauds. T'as capté ou pas? Moi, la seule moyen que j'ai trouvé au début, c'est les freestyle. Même lui, il en a fait. J'ai acheté un pétard là. J'ai acheté un pétard, il a tourné de fou. Hein. Ça m'a beaucoup aidé. Canoë m'a ajouté par rapport à ça. Sans dire les blazes, hein. Sans dire les blazes, hein. Voilà. Les gens, ils t'ont envoyé un tas de messages. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en mode là. J'avoue. Même, ils me disaient pas, tu clips pas tout ça, mais bon, c'était trop tard. Tu l'as fait envie de faire, t'as capté. J'ai fait un vieux son comme ça, je voulais même pas le sortir. Vas-y, je me suis dit, je vais faire un freestyle Insta. On était posé là, et comme, vas-y, tu connais Gibson, c'est le caméraman du quartier. Je l'ai appelé, il est venu direct, vu qu'il était là, et on a fait ça. Justement, tu disais, il fallait faire les freestyles et tout pour que les gens ils viennent, tu vois. Justement, ça a marché, toi, t'as participé à PTC. Ouais, tu connais. Ça, PTC, c'est par rapport à un son que j'ai fait dans ce stade là. J'ai fait un son, j'ai fait un remix de je sais pas quoi, ça a pris direct. Et vas-y, les gens ils m'ont contacté, c'est-à-dire on a bien bossé direct. Et après, tu connais, on a enchaîné. Bah, PTC, rentre dans le cercle, Booba il a reposté. C'est complet, grosse force à Oublier. Ouais, je sais pas s'il va voir ça. Son média, OK le bail, ils m'ont donné la force de ouf. Ouais, c'est vrai. Ils sont passés ici, ouais. Ouais, ils sont venus, moi j'étais parti à place, on est passé. En gros, le concept c'est quoi? Tu viens freestyle. Micro, je suis venu freestyle, micro, ça a pris. Et Booba en vrai, il follow au play, c'est-à-dire il a pris sur sa page, il l'a repartagé. Mais ce compte a été streamé à Booba depuis. Mais j'étais là. Ouais, il était là. Et j'ai arrivé le matin, boum, ouais. Non, en tout cas, faut pas négliger ça. Hein. Voilà, il a pris 80 freestyle. Voilà, voilà. Et il les apprend par cœur, on voilà. Filme, on recommence. Voilà. Une minute de rap, puis des trucs, voilà. Une minute d'art, tu connais, non? Ouais, bah c'est ouais. C'est la chaîne là. Et moi, j'ai commencé ça à l'époque. Ils avaient 100 000 abonnés, aujourd'hui, il y a 1 million. C'est archi carré ce qu'ils ont fait. Moi, à chaque fois que j'ai participé, même si je gagnais pas, ouais, en gros, à chaque fois, ils me prenaient, t'as capté ou quoi? Parce qu'il y a un truc. Et ça, pour ça, je respecte. C'est lui qui fait mes intros dans French Club. Ouais, mais j'en ai raté deux, je crois, non? Non, un seul. Un seul? Non, un il a raté seul. Le premier parce qu'on n'avait pas encore commencé. Et le 4, il est à l'hôpital. Ah, mais sinon, ouais. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, il sera là. Il rap aussi, il rap. Je fais quelques poésies, vite fait. J'en fais quelques poésies, je suis un poète un peu. De temps en temps. C'est lui. Sinon, moi, je suis en mouvement.
Il fait voilà. Beaucoup, il fait mes ambiances, hein. Il fait les ambiances de tout le quartier ici, ma gueule. Hein. Beaucoup d'ambiances. Voilà, chouchou gris, chouchou gras. J'ai commencé par lui. J'ai commencé par Malcolm. Hein. Viens, Jiggy, là. Et voilà, c'est mon gars Jiggy. Fragile 2, les gens ils connaissent, voilà. Je suis, voilà, il est là. J'imagine depuis que ça commence un peu à prendre, ouais. Y a dû avoir des gens, ils t'envoient des DM, des gars un peu connus ou même des gars inattendus. Pas des DM, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait parler d'eux, qui commencent à me suivre. Il y a même des gens carrément, je savais même pas qu'il y avait des contacts. Par exemple, les potes à Central City m'ont follow. Je sais même pas c'est dû à quoi, je sais même pas c'est quand ils m'ont follow. J'ai remarqué là, il y a même pas deux semaines. Il y a des bons gars comme la CG6. Il y a qui? Il y a Impliqué aussi. Parce que Impliqué, vas-y, lui, t'as tu vois. Un petit truc avec lui, je crois. Non, j'ai rien avec lui. Ouais, ça, je veux dire. Tu vois, relation. Quand il a commencé à faire ses freestyles sur Instagram, moi j'avais vu, t'as capté, et j'avais kiffé de ouf. C'est-à-dire, je commençais à dire à mes gars, voilà, Impliqué, les boostés, tout ça, tu connais. Mes gars, ils aimaient pas trop encore, t'as capté ou pas? Ils aimaient pas trop, il y en avait un peu qui connaissaient. Non, il y en avait un peu qui aimaient, t'as capté. Après, voilà, il est monté vite, voilà, personne n'a compris. Mais voilà, force à lui, hein, voilà. Il mérite, hein, c'est un bon gars. Et ouais, souvent, il me partage. Et voilà. Hein. Après, il y a la CG6 ouais. Aussi qui me partage. MLVS m'a fait une dédicace dans un de ses sons. Voilà, c'est un vrai. Ça, tu connais, c'est les gens qui n'ont pas de retenue. Quand ils aiment la musique, t'as capté, ils se cachent pas. Moi, j'aime bien les mecs comme ça, c'est les mecs vrais. MLVS de la CG6, c'est un mec vrai. Zelo aussi, ma follow. Il y a Mister You. Oh, le défaut, c'est qui les faux? Non, les faux, on va pas parler des faux, sérieux, on n'est pas là pour ça, mon gars. Moi, je suis pas là pour des clashs, hein, voilà. Les clashs, hein. Les gens, ils connaissent son pari, ils connaissent Place des Fêtes. Ils savent très bien, c'est comment ici, t'as capté. Moi, je suis pas là pour des clashs. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de vrais. Et il y a beaucoup de faux aussi, voilà. Dernière question, mon ref. Ouais. Je l'ai dit tout le monde, pour tout le monde dans chaque vidéo. Ouais. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Paris Saint-Germain. Ah, logique. Après. Hein. C'est le Real de Madrid, mais Paris. Hein. Bon, ça tue, t'as des réseaux si on peut te suivre. Ouais, tu connais moi maintenant, c'est que Insta. Snapchat, je suis pas trop sur Snapchat. Mon réseau, mon vrai réseau, c'est Instagram, je te suis à fond. Ça tue, Samou, merci en tout cas. Qu'est-ce que un faut snapper, ravi, voilà. Je suis dans la cahier avec les Romains, voilà. Hey, c'est pas des logs, des Mexicains, tu vois. Un Mexicain dealer, c'était comment avant, voilà. Voilà, à l'époque, gros, voilà, c'est bon, mais là, gros. On a les pistes, on savait ce qu'il y avait dans la poche, gros. Voilà, gros. Vas-y, quand même, ouais, faut tout cas, merci. Hein. Non, force à toi, voilà, force à Gab Morrison. Force à tout le monde, voilà, et Inch'Allah, ça va péter. Hein. Ça tue, mon gars. Voilà. Vas-y, hein. Vas-y, lourd.